Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Arnaud dans la Révolution française. Les amis, on était envoyés par un certain Marquis de Sage lors du dernier épisode, et je le fais avec une voix un peu comme ça, voyez-vous. Parce que voilà, ce dernier nous avait demandé, hein, humblement, de récupérer des objets volés. Et donc, dans ma grâce généreuse, je me suis dit que c'était le moment d'exaucer ses souhaits. Bref, les amis, on va continuer tout simplement la mission de la dernière quête, de la quête du dernier épisode, hein, tout simplement. Mais avant ça, c'est bagarre. Ok. Les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à regarder cette vidéo en 1,5. Et bonne nouvelle, les amis, si vous êtes vraiment fan de ce jeu et que vous êtes fan des missions que je fais, sachez une chose, les amis, il y aura un épisode demain. Eh ouais, parce que demain c'est le 29 et que je me suis dit pour le 29, eh ben pourquoi pas tout simplement faire un épisode. Voilà, le 29, hein, vous savez, c'est un jour qu'on a une fois tous les 4 ans. Et donc je me suis dit, bah vu que on a cet épisode-là une fois que tous les 4 ans, bah pourquoi pas tout simplement tourner un épisode. Ok, les deux. Ça, soit c'était relativement simple, il était tout seul, il n'était pas protégé. On va continuer, les amis, à faire cette mission-là, et puis bah, selon où la quête va nous mener, comme d'habitude, donc on poursuivra. La bonne nouvelle, les amis, c'est que je pense qu'on en a plus pour très très longtemps au niveau de tout ce qui est quête un peu secondaire annexe dans Paris. Je pense que vraiment, allez, mi-mars, je pense qu'on y verrait un peu plus clair, les amis. Et bien, nous, ça continue évidemment à accumuler de l'expérience du jeu, ça nous permet évidemment de continuer. Mon live est toujours d'actualité, les amis. Hein. Le live que j'avais promis, où on fera tout le reste, tout ce qui est relique et tout ça, ça va arriver. Bah. Alors, j'ai pas compris pourquoi les gardes s'en est pris à moi là. C'était un peu gratuit, hein, quand même. Alors là, ça peut être long, hein. Plein en marché. Je vois absolument pas de quoi il veut parler. Il dit qu'il y a des détrousseurs ici. Oui, il y a des détrousseurs, vous, les amis? Ouais, non. Donc, épisode demain, les amis. Hein. Donc, ça fait 3 épisodes d'Unity cette semaine, plus l'épisode du Chronicle China. Autant te le dire, ça va être une semaine riche en émotions sur ma chaîne. Pendant que, bah, il pleut sur Paris. Voilà. Viens ici. Lâche-moi. Hey. C'est ça. Tout va bien, citoyen? Ok. Je comprends
qu'on boive un coup pour ces pieds. Ok, le dernier objet, les amis. Ok, bah ça va. C'était presque le premier qui était le plus dur à récupérer. Hein. Ce qu'on avait fait à la fin du dernier épisode. Allez, go. Allons revoir monsieur le marquis de Sade. J'ai remarqué un truc, les amis, dans toute la licence de jeu. On voit jamais de bébé. Je sais pas si vous avez remarqué. Pas de bébé dans les poussettes, des trucs comme ça, c'est assez curieux. Tous les jeux. Oui, mais en moment tout court. Les gens sont fous. Ok, les amis. De tous ces objets. Ah, fort bien. Merci, Arnaud. Imposer ma volonté aux autres me procure un tel plaisir. Suis-je une mauvaise âme ? Ok. Alors, au niveau mission, les amis, la suivante, la plus proche d'une autre position, on va dire tirer ça. De ce qui est réalisable, il me semble que c'est celle-ci. La bande noire. Et après, ça serait celle-là. Les amis, au niveau des quêtes. On commence à être pas mal, hein. Parce que là, je vois 3 quêtes secondaires, je vois 4 quêtes secondaires, je vois les lignes de Nostradamus dans une enquête. Par contre, les hymnes de Nostradamus, il va falloir les continuer, les amis. Je pense que, pas le prochain épisode, mais sans doute dans 2 ou 3 épisodes, il faudra quand même les faire. Alors, j'en suis pas particulièrement fan, les hymnes de Nostradamus, mais c'est important. Chier, je prends jamais les bons endroits. Ah.
Ok. Ok les amis, on y arrive. Je parle pas beaucoup parce que pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas forcément grand chose de plus à vous dire. En tout cas, s'il y a des choses à vous dire, vous inquiétez pas. Hein. Les Gwynpoint seront là pour vous. Une autre de ces enchères truquées. Je vais leur couper l'herbe sous le pied. Vous voulez voir ? Dose en ville. Pourquoi on a droit à une musique épique de film là ? Nous passons à la mise en vente de cette église délabrée en espérant qu'elle ne s'effondre pas avant. 200 livres ! 300 livres ! Qui êtes-vous ? Citoyen d'Ossonville. Et j'en offre 300 livres ! Non ! 4 ! Vous ne pouvez pas renchérir sur vous-même. Cet homme perturbe la vente. J'offre 200 livres. Et moi 700. Et les miennes ne sont pas contrefaites. Je dois vous demander de partir, citoyen. Pour que vous puissiez vendre ce magnifique édifice à votre ami. Cette accusation est un outrage. Retirez vos paroles. Jamais. Vous autres, expulsez cet homme. Mais faut vous battre, non ? Qu'est-ce que tu veux ? Bon, voilà, c'était facile. Vous voulez pas se battre ? Reviens que je te mette. Ok. Bon ben voilà, c'était sympa. Un peu expéditif, mais bon. On va dire qu'il en faut des missions comme ça, les amis. Hein. Je vais voir si je peux essayer d'ouvrir ça. Tant que je suis à côté. Oh, genre. Je suis mauvais hein, avec les groupies, les amis. Mais bon. Bon, bah, il est parti, le monsieur. D'accord, bon, j'ai pas trop trouvé l'intérêt de cette mission, pour être tout à fait honnête avec vous. On a pu tuer des méchants, c'est le principal. Bon, la prochaine mission, les amis, c'est la celle qu'on parlait, donc l'espèce de constitution du rasoir. Eh bien,
Même les latrines du Nara. Tu as bien fermenté. Il serait temps qu'on te mette en terre. D'ailleurs, cette vente aux enchères, les amis, me rappelle un épisode de Mirage. L'un des meilleurs hein, de Mirage, les amis, qui est disponible sur ma chaîne. Une espèce de vente aux enchères dans le Grand Bazar. Si vous n'avez pas vu cette mission, je vous invite fortement à aller sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Mirage, et d'aller bah, tout simplement la faire. Vous n'allez pas perdre votre temps, les amis, cet épisode était incroyable. Mais moi, j'ai juste failli me tuer tout seul comme un connard. N'hésitez pas, c'est vraiment une mission qui vaut le coup. Monsieur, je suis Sanson, le maître exécuteur. J'ai besoin d'aide. Ah, par contre, c'est difficulté 5, les amis. On va souffrir un peu, là, celle-là, je pense. Hein. On va essayer. Des bandits ont volé des pièces de nouveaux mécanismes d'exécution que je suis en train de construire. Ils veulent m'attirer dans un piège. Pouvez-vous récupérer ces objets pour moi ? On va laisser s'entretuer. 3, c'est mort. J'interagis même pas avec cette porte. À quoi elle sert cette chose? C'est là que tu poses ta tête. Et l'autre là? La mets au-dessus. Comme ça. Oh putain. L'air d'être très confortable. C'est pas le but. Bah tout seul par contre, il va pas y arriver, je pense. Couper les têtes avec humanité. De qui se moque-t-on? À quoi bon faire des manières quand on coupe une tête? Une bonne arme à deux mains fait bien l'affaire. Tu dis vrai, mon ami. Alors, je... Attends, faut que j'arrive à en mettre un deuxième. Lui au fond, là, si j'arrive à le choper. J'ai plus de fléchettes furie, mais au moins, il y en aura deux. Mais comme d'hab, les amis, on profite du spectacle, on a le temps. Ça sera sans doute la dernière mission de cet épisode, les amis, mais en tout cas, en termes de quête secondaire, on avance bien. Bah, il fait quoi l'autre? Il y en a un qui a strictement rien à voir dans la bataille, il est là. Et tout ça pour un appareil de guillotine, hein, les amis. Hein. On met le paquet. Ah, c'est une nana qui se bat. Ah, en fait, il y a même les alliés qui arrivent pour se battre. Bon, bon, voilà. Vous allez payer. C'est fini, je vais débarrasser le monde de votre flé. Je vais casser la tête. Pourquoi je ne sors pas les gens? Ah merde, la nana est morte. Ouais bon, en même temps ils sont costauds hein.
Ah merde, le paysan il est ragé aussi. Putain. Du coup, est-ce que ça compte comme tuer un innocent? Je pense pas. Ouais, bah forcément, à un moment. Bon, lui, j'étais obligé de le tuer. Bon. Mourir dans la rue. Citoyen, halte ! Ah ouais, non mais c'est... Putain, ils ont carrément posté des tireurs sur les toits. Non mais c'est qui ces mecs en fait qui arrivent et qui volent une guillotine et qui postent genre toute une armée entière? Bon, c'est pas grave, on va la refaire tranquille. On a encore le temps, il y a peut-être un monde où on peut la finir dans cet épisode-là. Hein. En vrai de vrai. Qu'y a-t-il cette fois? Tu es fait! Chose me dit que tu ne fais pas la sieste. Oh, je t'ai pas vu toi. Oh, vous êtes nombreux en fait. Bah attendez. Voilà. Mal, hein. Ah, vous entendez les amis, c'est mon chrono. On va mettre un terme à cet épisode.
On va donc le finir dès le prochain épisode, les amis. On continuera les quêtes secondaires. N'oubliez pas un épisode demain qui sortira exceptionnellement, étant donné qu'on est le 29. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Empereur. Je vous dis la suite au prochain numéro, les gens. Salut.